Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, regardez ce concept juste là-bas. On a Sébastien Loeb, les équipes qui vont participer au Dakar avec cette nouvelle Dacia. Elle est juste incroyable. Ils ont appelé ça les Dacia Sunriders pour cette équipe qui va rejoindre ce joujou dans les dunes du désert en Arabie Saoudite, également pour le Dakar. Je me suis pris une petite fiche parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il y a plein de journalistes du monde entier qui viennent découvrir cette voiture. Donc pour le Dakar 2025, Dacia engage 3 voitures avec Sébastien Loeb, avec Cristina Guitérez Herrero et Nasser Alatia. Donc c'est l'équipe ProDrive. On peut le voir également que c'est marqué à l'avant, hein, qui va s'occuper de cette voiture. Donc un nouveau châssis qui a été allégé, un nouveau moteur, cette fois-ci c'est un V6 3 litres biturbo, donc qui a été préparé par les équipes d'Alpine. Les tests sont faits également chez Alpine à Viry-Châtillon en France pour pouvoir travailler sur tout ça. Le châssis est revu, on peut voir une décoration qui a été inspirée du Dacia Manifesto qui nous avait été présenté il y a quelques temps par Dacia. C'était un concept qui, à base, n'était pas prévu pour le Dakar, mais ensuite qui a évolué petit à petit. Ils se sont dit bah, pourquoi pas, et on a repris quand même pas mal de bases là-dessus. Bon, moi j'aime bien vous parler technique, c'est une voiture qui fait 4,14 m de long, 2,29 m de large sur 1,81 m de haut, avec une visibilité accrue, puisque ça, ils ont écouté justement les teams et les pilotes. Sébastien Loeb a demandé plus de visibilité sur l'avant, donc on a un avant beaucoup plus court qui permet d'avoir une visibilité plus importante sur tous les rochers et autres sur la partie avant. On a un empattement de 3 mètres pile poil, donc entre la roue avant et la roue arrière. Le système de suspension a été revu, plus rigide, également tout le système de freinage sur cette voiture comparé aux anciennes voitures de ProDrive. Comme on l'avait vu avec Toyota cette année sur le Dakar, chaque année il y a quasiment 80% des voitures qui évoluent pour l'année d'après. On a toujours une suspension de 35 cm de débattement. On a un poids plus léger d'environ 10% ou de 15 kg exactement comparé aux autres voitures qu'ils avaient jusqu'à présent. C'est toujours une voiture qui monte à 170 km/h maximum pour cette voiture, hein, puisque ça c'est les limites du Dakar, c'est le rallye qui l'impose. De l'aérodynamique plus poussée également, on peut voir des appuis aéros là ici derrière un aileron également énorme. On a une peinture spécifique qui a été faite à l'intérieur justement pour accroître la visibilité et avoir moins de reflets sur le pare-brise. Ce sera également roulé grâce à un carburant de synthèse développé par Aramco. Donc Aramco développe des carburants qui sont moins polluants, donc un petit peu comme Porsche le fait avec du e-fuel. Mais il y a de plus en plus d'acteurs là-dedans. Et je trouve que c'est une bonne chose également que pour tous ces rallyes, toutes les compétitions, on puisse avoir des carburants qui polluent un petit peu moins si on veut conserver également ces moteurs thermiques. Le châssis, donc, c'est un tubulaire, c'est la catégorie T1+, donc c'est la catégorie au sommet. Et également pour des pilotes au sommet, je vais essayer de récupérer Sébastien Loeb juste pour quelques petites questions. J'espère qu'on va pouvoir l'avoir. Mais en tout cas, la voiture est juste canon, le décor est canon. Regardez à quoi ressemble la tenue que porteront les pilotes. Également, Dacia a développé une tenue spécifique. On peut le voir avec les rappels de ses couleurs également sur la tenue, ainsi que les sponsors. Le premier test de cette voiture aura lieu au Rallye du Maroc. Il y aura d'autres tests également en Angleterre avec cette voiture. Sébastien Loeb sera là, Cristina également et Nasser, pour pouvoir justement au Dakar 2025 espérer gagner cette année. On y croit fort. En plus, si notre pilote français Sébastien Loeb pouvait réussir, ce serait juste magnifique. Sur l'avant, je vous le représente, mais on reprend quand même pas mal les concepts du Manifesto, les feux et surtout le monophare là-bas. On a le logo éclairé Dacia, alors ça, je ne sais pas si ça va rester sur la voiture, mais quelque chose de très aérodynamique. Les suspensions, donc toujours 35 cm de débattement, comme je disais. Surtout, on a des portes à faux très courtes, ce qui permet normalement de passer quasiment partout avec cette voiture. On voit les belles suspensions avec deux bras de suspension à chaque fois. Le logo ProDrive, hein, pour l'équipe qui fonctionne également du côté aéro, là au niveau du pare-brise, normalement ça devrait filer mieux. On a moins 10% de traînée, donc on va voir ce que ça donne l'année prochaine. Ça devrait filer assez vite. L'avantage également, c'est là, on peut le voir, des grilles qui soutiennent les systèmes de refroidissement. Il y a plusieurs systèmes de refroidissement et pareil, ils ont mis des moteurs spécifiques pour démarrer la voiture et pour laisser en route tous les systèmes de refroidissement, les moteurs qui tournent pour les étapes. On voit que Dacia est de plus en plus carré, comme on a pu le voir sur le nouveau Duster. Et là, on reprend quand même un petit peu ce qui se passe. Hein. Et pareil, au niveau des pare-chocs, je pense que c'est pour ça également que le Duster a amené ce côté. J'ai hâte de voir le Bigster très bientôt. En tout cas, Dacia nous sort des choses de plus en plus sympas. Hâte de voir le futur. Sur le côté, on retrouve vraiment cet effet du Manifesto avec cette partie très plongeante, cet avant. En fait, c'est vraiment ultra cubique. Ça change, ça évolue. Des roues en 17 pouces ici pour les jantes et c'est des roues de 37 pouces au niveau de la taille du pneu. On peut voir qu'ils ont travaillé également sur l'accessibilité puisque pendant le Dakar, on crève énormément. Eh bien, ça a joué également pour Sébastien Loeb là sur cette dernière étape du Dakar.
Là, on peut voir que les roues sont directement ici avec une attache rapide qui permet de les détacher facilement. Ils ont pensé à quelque chose. Quand on va enlever les caches d'acier ici, on aura donc les boulons, les écrous. Et ils ont demandé, donc ça c'est Christina qui a demandé que les portes ici soient aimantées. Donc ce qui permet, lorsqu'on enlève un écrou, de le mettre là et de ne pas le perdre dans le sable. Parce que dans le sable, imaginez-vous, vous êtes dans le rush, ça tombe dans le sable. On a tous déjà fait tomber un truc à la plage, on sait à quel point c'est compliqué. Et bien donc là, sur les panneaux, on pourra retrouver des parties aimantées qui garderont les écrous. Bon, on espère que cette année, ça pourra aller beaucoup plus vite. Là, des vitres surteintées, on a l'intérieur encore qui n'est pas forcément fini sur celui-ci. Et pareil, l'intérieur a été simplifié au maximum et il sera personnalisable selon les équipes. Je vous montre quelques photos qu'on a reçues. Sur le côté, voiture assez haute, donc 3 mètres d'empattement, ça veut dire entre cette roue et cette roue-là, ce qui permet de passer partout. Des suspensions juste énormes, on peut voir qu'il y a de l'espace, donc là ils disent de ne pas monter ici, mais on a quand même un look hyper sympa. Côté aérodynamique, on a également des ailettes un petit peu partout là, de quoi refroidir le tout. Qu'est-ce que vous pensez de cette Dacia qui va participer au Dakar? Je trouve ça incroyable que Dacia se lance dans ce genre d'aventure, c'est fou. Et je trouve que c'est un bon truc parce qu'ils s'aventurent de plus en plus sur l'extérieur, le outdoor, etc. Bah là, je pense qu'on ne peut pas faire plus outdoor que le Dakar, le désert, l'Arabie Saoudite, juste dingue. Sur l'arrière, on peut voir également qu'on a toute une partie fermée, pas forcément comme les versions pick-up où tout est apparent. Et comme on a les roues de secours qui sont sur les côtés, eh bien là, on a plus d'espace. On retrouve quand même l'échappement central ici, parce qu'on est sur un V6 qui est vraiment position centrale, comme les prototypes que j'avais montrés pendant ce Dakar 2024, où le moteur est positionné vraiment devant les jambes du conducteur, pas en position centrale avant, pas en position centrale arrière. C'est vraiment au centre pour équilibrer au mieux. Et d'ailleurs, ils ont retravaillé par rapport à leurs autres voitures un châssis beaucoup plus équilibré. Pareil sur l'intérieur, ils ont travaillé sur des sièges spécifiques, anti-transpiration et autres, pour avoir une position au mieux et équilibrer encore mieux les masses. On retrouve le Dacia. Peut-être qu'on retrouvera sur des voitures de série, ça plus tard, en tout cas avec les bandeaux. On a toujours cette sorte de deux bandes, un trait ici qui amène ce côté avec le Y. Une boîte ici à l'intérieur. Franchement, je trouve ça assez incroyable. L'aileron est gigantesque sur l'arrière. On a également des systèmes de refroidissement à cet endroit-là. C'est juste magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, vous me connaissez, j'aime bien montrer un petit peu les envers du décor. Ça, c'est le CEO de Dacia, c'est lui, le big boss là en gros, donc il y a Automoto. On peut voir un petit peu à quoi ressemble présentation média. C'était filmé en direct, il y a des caméras partout. Là, on a un des directeurs justement de la compétition et de l'ingénierie. Voilà à quoi ça ressemble. Je vous emmène faire un petit tour comme ça. Je trouve ça toujours plus sympa quand c'est un petit peu en mouvement. Hop. Donc là, il y a plein de gens. Là, on a des collègues de Caradisiaque, l'Argus. Et de ce côté-là, donc la voiture, on peut le voir sous tous les angles, c'est plutôt joli. Le côté aéro, même sur les côtés, on le retrouve. Donc de ce côté-là, et ce truc très aéro. On peut voir Sébastien Loeb donc, qui nous parle un petit peu de la voiture. Je trouve ça super beau. Et là même, ce côté hyper aéro, c'est très très intéressant. La petite déco, on est un petit peu plus près. On a également le logo Dacia ici illuminé. Je trouve ça cool. Les grands pneus, donc on peut le voir de ce côté-là, la boîte. Je vous refais le petit tour comme ça hein, pour vous montrer vraiment à quoi ça ressemble de cette façon. Comme on a pu le voir cette année, c'est juste impressionnant. Par contre, la largeur, regardez, alors on n'a pas l'habitude d'avoir une voiture aussi large, 2,30 m quasiment sur 1,80 m. Elle est vraiment très, très posée, cette voiture. Merci en tout cas pour ce petit moment. Alors j'avais quelques questions. Quel est l'avantage de participer avec Dacia au Dakar? Ben, l'avantage déjà, c'est d'avoir un constructeur motivé qui a envie de s'engager et de faire les choses bien. Ça, c'est la première chose. On va travailler avec ProDrive, avec qui je travaille depuis des années. Donc, on connaît nos points forts, nos points faibles. On sait ce qui marche sur une voiture, ce qui marche moins bien. Et là, le fait de partir sur un nouveau projet, ben, on va pouvoir exploiter et tout ça et être écouté pour essayer de gommer tous nos petits défauts et de garder que le bon. Donc voilà, et puis c'est, je dirais que c'est un constructeur qui voit que toutes les personnes de la marque qui sont investies dans le projet sont super motivées, donc ça fait plaisir de travailler avec des gens motivés. Okay. Et il y a une grosse partie de chez Dacia qui intervient avec ProDrive, ou c'est quand même ProDrive qui fait la majeure partie? C'est ProDrive qui fait la majeure partie du travail, mais chapeauté par des gens de chez Dacia qui supervisent les choses et qui permettent de faire passer des idées et d'avoir un contrôle de l'ensemble. Ok.
Votre participation sur cette auto, donc vous avez amélioré quelques petites choses, par exemple la visibilité, donc on a entendu parler. Ça fait combien de temps que vous travaillez dessus et est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles vous avez pu donner des conseils ? Il y a plein de choses. Il suffit de regarder le déroulement de mon Dakar de cette année. Je dirais que les points faibles qu'on a eus cette année, ça fait depuis qu'on travaille sur la Dacia, quoi, on les avait déjà identifiés et qu'on espère seront résolus sur celle-là. Donc oui, il y a la visibilité, on a un petit souci de chauffe des pneus arrière sur la ProDrive, on a une faiblesse sur les triangles et les biellettes de suspension, etc. Donc il y a plein d'autres choses. Donc il y a plein de détails dont on a déjà parlé depuis le début et qui vont être optimisés. Ok. C'est quoi la chose la plus difficile dans le Dakar pour vous ? La plus difficile, c'est l'histoire générale, c'est de réussir à tout mettre bout à bout. C'est que ça dure entre 12 et 15 jours. Il faut réussir à ne pas faire de grosses erreurs de navigation. Il ne faut pas faire de grosses erreurs de pilotage, il ne faut pas casser quelque chose, il faut avoir une bonne équipe pour avoir une mécanique fiable qui nous permette de ne pas nous arrêter en spécial même un jour. Donc voilà, il faut réussir à mettre tout bout à bout, que ce soit la mécanique, l'équipe, le copilote, le pilote, et ça c'est compliqué. Okay. Et dans votre carrière, qu'est-ce qui était sportivement le plus difficile entre le rallye par exemple ou les autres choses que vous avez expérimentées, le Dakar, quelle serait la... C'est difficile à dire, chaque discipline a ses spécificités, que ce soit le rallye raid, le circuit. Je ne peux pas dire quelle discipline est la plus difficile. En circuit, le plus dur, c'était d'être capable de mettre tous les détails bout à bout parce que ça se joue au millième. En WRC, il faut avoir la grosse attaque tous les jours. On n'a pas le droit d'en lâcher une seconde à droite ou à gauche. Et en rallye raid, il faut justement savoir gérer le rythme et être capable de trouver le bon rythme au bon endroit. Il ne faut pas tout casser, mais aller vite quand même. C'est un ensemble. Ok, et donc la stratégie pour gagner le Dakar, s'il y avait en avoir une, ce serait quoi ? C'est plutôt la régularité vraiment et se dire on essaye de ménager un petit peu tout le temps ou il faut quand même push assez souvent ? Non, on ne peut pas ménager tout le temps, il faut ménager quand il faut ménager en fait. Il faut sentir où il faut ménager un peu, où il faut tout donner, parce qu'en étant que régulier, à un moment, on sera régulièrement derrière. Donc il faut être régulier, donc pas perdre beaucoup de temps. Ménager quand il faut, mais profiter des occasions où on peut tout donner pour le donner. Donc c'est une gestion et tout ça sur deux semaines. Donc, voilà. Et on sent que chaque année, le niveau vient vraiment de plus en plus professionnel, de plus en plus restreint sur les petites secondes qu'on doit gagner. On voit qu'il y a de plus en plus de voitures engagées, des voitures performantes. On voit qu'on est vite, on se retrouve vite 20e dans une spéciale parce qu'on est passé à côté d'un truc, etc. Donc, c'est serré, il faut. C'est pas simple de tourner bout à bout, mais c'est le but en tout cas. Okay. Et vous l'avez déjà essayé cette voiture ou pas du tout encore ? Non, elle n'a pas encore roulé, c'est un chocard et on va l'essayer à partir de la mi-début avril. Ok, bon, merci en tout cas pour cette interview, au plaisir. Merci. Et puis j'espère vous voir l'année prochaine sur le Dakar. Je vous ai vu cette année, on vous a croisé, j'ai fait une petite vidéo où j'y étais. D'accord. C'était un plaisir de vous voir et ça chantait quand même bien les moteurs de cette année. Ouais. Est-ce qu'on pense que celui-ci va faire un petit peu la même sonorité ou... Je ne sais pas, justement, on ne l'a pas encore entendu, mais je pense que ça devrait être pas mal. Bon, on a hâte de voir tout ça en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Super. Bonjour à vous. Donc, vous vous êtes occupé un petit peu du design, de ce que j'ai compris, de cette voiture. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'un petit peu révolutionnaire ? Parce que j'ai entendu qu'il y avait quelques petites touches un petit peu nouvelles sur cette auto. Déjà, c'est pas souvent qu'une équipe de design travaille sur des voitures de course. Souvent, c'est une affaire d'ingénieurs. Qui cherche la performance. Alors, c'est notre but aussi, hein, on cherche clairement la performance. Mais on a proposé nos services aux équipes de ProDrive qui ont développé la voiture techniquement. Okay. Et on est resté très humble en disant, voilà, on a plein d'idées pour essayer de vous faire la vie plus simple, de résoudre vos problèmes. Et le but, c'est pas de faire une voiture jolie, mais une voiture qui soit vraiment au top de la performance, de résoudre vos problèmes techniques. Donc, n'hésitez pas à nous demander. Et c'est comme ça qu'on a mis en place cette création commune sur le véhicule.
Et puis il y a un autre aspect, c'est qu'on a beaucoup travaillé avec nos pilotes et copilotes. On a eu la chance de les connaître avant le premier coup de crayon. Et évidemment, Sébastien Loeb ou Christina Guterres nous ont donné des tonnes d'exemples de leur vraie vie de derrière le volant en course, dont on se doutait pas. Et on a essayé aussi de répondre à leurs attentes en disant bah, « ça c'est hyper inconfortable, au bout d'un moment on n'en peut plus, qu'est-ce que vous pouvez faire là-dessus » ou « quand on change une roue de secours, elle pèse 60 kg, on est obligé d'enlever des panneaux dans le désert, on est fatigué, on vient de changer trois fois la roue, pour nous il faut que ça soit le plus fluide et le plus rapide possible. » Donc on s'est fait un peu un cahier des charges comme ça et puis on a proposé un dessin design qui résolve ces problèmes. Okay, vous êtes parti d'abord du châssis donc de ProDrive qu'ils nous ont donné, donc c'est du tubulaire, et vous avez dit bon, on va essayer de dessiner quelque chose autour. Attention monsieur, on est en train de filmer, merci beaucoup. Donc vous êtes parti du châssis tubulaire et vous avez dit on va dessiner un petit peu. Le concept manifesto, bah, ça ressemblait déjà un petit peu à ça on va dire, donc on a repris quand même pas mal de codes. Ce que j'aime bien c'est le petit rappel du phare à l'avant. Est-ce que on garde quand même cet aspect, on garde l'essentiel chez Dacia et on retrouve un petit peu, bah, c'est vrai qu'il y a l'essentiel, on a un petit peu d'aéro et autres qui étaient retravaillés. Bonjour madame, c'est pas grave, c'est les lives du direct. Pour vous, c'est quoi la touche que vous avez préférée sur cette voiture? Par exemple, s'il y avait une chose, c'est-à-dire voilà, on a aimé travailler là-dessus et ce serait ça. Alors, pour répondre au parallèle avec Manifesto, c'est vrai qu'on était en train de finir Manifesto quand on a commencé Dakar. Donc, forcément, les deux projets se sont un peu co-influencés. Le but aussi, c'est qu'on voulait que cette voiture du Dakar, elle ait un air de famille Dacia, qu'on la reconnaisse comme une Dacia. Et pour ça, le look de Manifesto était assez intéressant. Après, ces deux véhicules qui n'ont rien à voir dans leur portée, mais on reconnaît certaines lignes. Ce qui était particulièrement agréable, c'était de ne pas avoir d'idées préconçues sur le design final de la voiture. Par exemple, si on s'était dit on fait un Duster qu'on inscrit au Dakar, ben on aurait toujours été en train de dire ah ben non mais ça ressemble pas assez à Duster si on fait telle modification ou telle modification. Là, en fait, on répondait entièrement aux demandes des ingénieurs. S'ils nous demandaient de faire un gros trou à tel endroit pour des raisons d'aéro, de choses comme ça, eh ben, on dit « Ok, ben, si c'est pour la performance, on va le faire. Et c'est à nous de trouver le dessin qui va bien marcher avec ce trou à cet endroit. » Je pense que les deux choses sur lesquelles je suis assez fier sur le design de la voiture, c'est d'une part la volonté d'améliorer le champ de vision des pilotes. Ça, quand on a discuté avec Christina et Sébastien, c'est le premier truc qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit, mais à 170 dans les dunes, en train de descendre une pente comme ça, et puis on doit aller, la trajectoire, aller là-bas. Si on ne voit pas bien devant nous, on prend des risques. On ne peut pas rouler aussi vite. On peut se prendre une pierre qu'on n'avait pas vue. Donc on a tout de suite travaillé là-dessus et c'est là où nous est arrivée cette idée de capot qui est flottant. Donc c'est un avantage aéro parce que ça nous permet d'avoir un peu de l'appui devant. Mais le champ de vision passe sous le capot par cette boîte aux lettres qu'on voit sous le capot. D'accord. Et ça permet à Christina ou Sébastien d'avoir un angle de vision optimisé aussi bien vers le bas que aussi vers le haut. Okay. Et le siège aussi à l'intérieur a été revu pour pouvoir avoir cette position spécifique ou... Alors non, on n'a pas touché à la position de conduite qui elle est optimum par rapport au moteur, par rapport à la cage intérieure du véhicule, mais on a dessiné le capot par rapport à son de vision. En fait, on a le point d'œil du pilote, on dessine deux droites par lesquelles on doit rien interférer avec la carrosserie. Et puis on travaille autour de ça. D'accord. Un autre élément qui a été assez intéressant, c'est de très vite se dire mais il ne faut pas qu'on mette de carénage devant les roues de secours. En design, ces roues, elles sont magnifiques. Pourquoi pas les montrer sur le côté de la voiture? Ça rajoute le côté aventurier du véhicule. Ça évite d'avoir des panneaux à démonter, à remonter dans le sable, voilà, alors que les secondes sont en train de passer. Et puis en même temps, ça a aussi évité d'avoir en fait ce panneau qui protège la roue de secours. C'est lui qui se prend toutes les pierres de la roue avant
sur l'arrière de du véhicule, alors que si les pierres tapent dans du caoutchouc, ça n'a aucun impact. Donc ça préserve aussi les bas de caisse de la voiture des chocs des pierres qui détruisent complètement les panneaux de carrosserie, qui obligent aux équipes de reconstruire le bas des voitures tous les soirs. Et en laissant cette roue de secours apparente, on a aussi exploité toute la surface qui est au-dessus de cette roue de secours pour faire l'entrée d'air principale du refroidissement du moteur, qui est un gros radiateur qui est dans le dos des pilotes. Et du coup, il est très bien alimenté par ces deux ouïes qui fonctionnent avec la roue de secours. Donc finalement, on a trouvé des astuces design qui résolvent le côté technique et qui sont super attractives en termes stylistiques, et puis qui donnent ce côté vraiment unique au véhicule. On voulait aussi avoir une voiture qui soit originale, que les gens remarquent, un espèce d'animal un peu étrange, qu'on la remarque au départ du Dakar ou qu'on la remarque dans les dunes, que ça soit la Dacia. Et pour ça, je pense que le pari est réussi. Complètement. Alors moi, je la trouve super jolie. Et les couleurs, c'est repris des Dacia, c'est le Urban Grey, le Lincoln Khaki qu'on retrouve. Exactement. On a notre khaki. Qui fait partie de nos couleurs Dacia. On a le sandstone qu'on retrouve sur Duster. On les a mixés entre eux avec comme des grains de sable qui sont projetés par une roue dérapant dans le sable. Et puis on a trouvé notre livrée comme ça, avec des couleurs vives aussi pour qu'on remarque la voiture, qu'on la voit de loin. Est-ce qu'on aura une Dacia rouge comme ça, avec cette couleur, peut-être? Pourquoi pas, il ne faut jamais dire jamais en design. Nous, on est ouvert à tout, on fait des tas de tests dans toutes les directions. Pourquoi pas avoir une couleur aussi vive sur une future Dacia un jour? Super, bon, merci en tout cas, et puis au plaisir. Avec plaisir, avec merci. Plaisir. Bon, pour finir, on va finir sur ce trois quarts arrière. Ici, vous savez sur la chaîne que j'aime beaucoup ces voitures en trois quarts arrière comme ça. Bon, merci à Dacia de m'avoir invité à découvrir cette voiture. Elle sera présente au salon Rétromobile également. Alors, je ne sais pas si Sébastien Loeb sera là tout le temps, mais ça fait plaisir de voir ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour vous, Dacia est légitime de se lancer dans cette aventure? Je trouve ça cool, hein, parce qu'on part d'une marque qui est totalement low cost, mais là, qui s'agrandit et qui amène de plus en plus de communication. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Bon, à voir ce que ça donne. J'ai très hâte dès l'année prochaine pour voir ce qu'ils vont donner dans le désert. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu, et puis je vous dis à bientôt. Ciao.